Ah non, mais j'y crois pas. T'as pété sur ma tête. Salut à tous. Hello. Aujourd'hui, on se retrouve, on fait un nouveau challenge. Charles a une côte en moins. On est debout depuis 4h du matin. Et on n'a rien trouvé de mieux que de faire une vidéo sur les portées acro-yoga. On n'a jamais testé, ça va être la grande première. On a déjà fait des portées quand même, mais c'était pas à ce niveau-là quoi. Là, je pense que vous avez bien rigolé parce qu'on a sélectionné. On a sélectionné quelques images qu'on a trouvées sur Google. Voilà, on a sélectionné des figures et puis on va essayer de les analyser, de voir comment on pourrait se mettre dans ces positions-là sans les connaître, sans les savoir et sans savoir comment on va faire. Et on les a pas testées, donc voilà. Du coup, c'est vraiment genre, c'est l'inconnu. On a des images, on essaye de reproduire les positions. C'est tout. C'est ça, voilà. Let's go. On est parti sur la première figure. Ok, la première figure. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut faire, on peut les faire du plus facile au plus dur? Ouais, on va faire ça. C'est la plus facile, je crois. Ok. La première figure, on doit faire un espèce de rectangle. De rectangle humain. Une alors moi je me mets comme ça. Jusque là, moi ça me convient. Toi, donc là tu te mets sur les mains, on pompe. Ouais. Oh damn. Là tu donnes une jambe. Moi je suis solide. En plus j'ai des courbatures. Allez. Ok. Olé. Attends, j'écarte les jambes. Attends, tu me mets ton cul dans la tête. Alors j'ai vraiment la tête dans le cul là. C'est comment? Mets-toi en écart, non, t'es trop en arrière. Voilà, pousse tes fesses vers l'arrière. Voilà. Voilà, comme ça. Oh. Ça commence beaucoup trop bien. Qu'est-ce qu'il y a? Là on fait les malins tant que c'est simple. Nous, on va moins faire les malins. Shot. On va moins faire les malins dans quelques temps. La deuxième, qu'est-ce qu'on fait? Donc là c'est une espèce de sorte de balancer. C'est bien parce que la GoPro des fois elle va avoir des... Elle prend le son mais elle prend aussi l'image. Et je pense que des fois elle va avoir des têtes, ça va être des assez gros mémorable. Plans sur les huques et tout, tu vois. Attends, on teste debout. Tiens-moi le bras. Comme si c'était mon pied. Vas-y, étends-toi. Et le bras tendu. Et tu t'es confiance, voilà. T'avances encore, encore, encore. Ok, voilà. T'es prête? Ok. Donc moi il faut que je te tienne, donc il faut que je passe entre tes jambes. Vas-y. Putain, j'ai pas confiance là. J'ai pas confiance du tout. Croûte. Je vais me prendre une de ces gamelles. Ok, donc là il faut que je te soutienne ici. Ok. Ok. Et toi faut que t'attrapes mon... Vas-y, attrape mon pied. Attrape ma cheville. Ah bah oui, toi tu me donnes la mauvaise jambe. Attends, on peut utiliser l'autre jambe? J'ai mal aux côtes. Ah ouais, aussi tu travailles avec un handicapé quoi. Ok, t'es prêt? Ouais. Ah. Vas-y. Mais elle est trop lourde. Vas-y. Mais non, mais avance. Attends, ton bassin. Avance ton bassin. Laisse-moi 30 secondes. Et là on est pas beau là. Oh j'adore, regarde, je peux même faire ça. Attends, doucement Pimprenelle, parce que là si tu donnes des à-coups si tu donnes des à-coups tu vas finir le nez dans le gazon. Ok. Ta-da. Ah ah. En fait le plus dur c'est pas de monter, c'est de redescendre sans se casser la gueule quoi. C'est trop facile, c'est trop facile. Putain, hey, franchement, first try. Non mais on est vraiment fort. Deux premières figures, first try. On dirait que je te casse en deux là. Ouais. Ça en fait. Mais moi ça me fait peur pour ton dos ça. Non. On dirait en fait que je tire à l'arc avec toi. Je suis chaud là. Allez viens. Ah. Hop. Ah. Mais pourquoi t'as lâché? Ben parce qu'il y a un manque d'équilibre. Pourquoi t'as lâché? Mais manque d'équilibre. Allez vas-y là. Mais doucement Pimprenelle. Hein. Mais je suis pas. Vas-y, allez vas-y. Dès que tu peux attraper ma main derrière. Non, de l'autre côté. Voilà, comme ça. Oh my god! Oh my god! J'ai trop peur. Non, mais là, j'ai lâché. Enfin, je sais que si j'avais continué, je t'aurais craqué le dos en deux. Vas-y, c'est pas grave. J'aurais fait cr... Faut que tu me tiennes. On a eu un semblant de réussite là. Ah ouais, ça m'a... Un petit semblant. Attends. En fait, ce qui est trop drôle, c'est quand tu tombes, enfin quand t'es en train de tomber, j'essaye de te rattraper comme je peux avec mes pieds. Ouais. Donc j'ai l'impression que je joue avec un rouleau de PQ en train de tomber avec mes pieds, j'essaye de te rattraper un comme je peux. Un rouleau de PQ, toujours plus. Je la compare à un rouleau de PQ. Quoi. Ok, allez go. Ok, on réessaye? Non. Attends, laisse... Next one. Ok, donc là, il faut que je mette mes deux pieds sur ton huc. Ouais. Que tu balances en arrière. Et que je me balance. Et toi, tu me tiens. Là, t'es vraiment en équilibre. Donc, ouais. Tu pars vraiment en arrière, quoi. Et moi, je te tiens.
Okay. Et toi, tu te tiens les deux mains avec la jambe. Ouais. Arrière. Ok. Celle-là, on l'a réussi parfaitement, je m'en fous. Allez. C'est bon, je suis prêt. T'es sûr? Bah ouais. Attends, laisse-moi tendre. Hello! Regarde, elle est super bien tendue avec ma pompe. Olé, qu'est-ce qu'il y a? Nous, on est des pros, nous. T'as une crampe déjà? Ah, j'ai une crampe. Ah. Ça va? Oui. Juste que je comprenne un truc. Ok, le mec, en il fait, a tu un vois, peu. C'est les pieds, c'est le bout des pieds, en c'est fait. C'est le bout des pieds. Ah, on est les champions là. On est les champions. Allez. Ouais. Pas d'appui. Ah, attends. C'est bon, je peux tendre? Ouais. En fait, là, c'est toi qui te tiens tout. Ouais, c'est ça. Oh. Ouais, on a réussi. Avec le vent. Anyway. Ah, ce challenge. Ouais, celui-là, il est bien. J'ai... Non, mais attends, mais t'es sûr que t'as l'écart, là? Oui, je pense. Pouah, le vent. Oh, c'est abusé. Il y a un orage, une tempête. Balèque. Pas. Et nous, on est des ouf. On est des ouf, c'est tout. Allez. Nous, on n'a pas d'excuses. Nouveau challenge. Non, mais je sais pas du tout comment tu pars. Bah, en faut fait... Faut que tu partes face à moi. Faut que tu partes face à moi. Ah oui, bah oui, bah oui. Ouais. Ok, vas-y. Et faut que tu lèves tes jambes. Ouais. Donc... Vas-y, comme ça. Ah, c'est comme ça? Oui. Ah, mais c'est facile. Bah, je sais pas, on va voir. Ok. Oh, la souplesse, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y en a une qui suit la routine souplesse, hein, grand écart. Hein. Mais t'es pas du tout souple, en fait. Ah, ça y est, regarde, moi, je suis bien positionné, bah, en fait, là. Je suis souple, mais que de la jambe droite, regarde. Oh, mais calme-toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Sans me prévenir, elle lâche une jambe, elle. Allez, go. C'est toi la grenouille. C'est toi le crapaud. Ok, je te lâche. 1, 2, 3. Olé. Bon, on aurait peut-être dû commencer par ça. C'est pas la plus dure. Et je peux même te faire une tresse et une coupe de cheveux si. Ouais, peut-être pas non plus. Mais tu vois, je pensais que celle-ci, elle serait méga dure. C'est comme un équicoude en fait. Non, c'est plus l'équi sur la tête. Donc ouais, ça veut dire il faut vraiment que je gaine sur attends, les épaules. Et moi du coup, ma tête et donc du coup mes bras. Donc en fait, t'es comme ça et moi je pars de comme ça, c'est ça? Ouais. J'ai peur. Vas-y. Ça va être trop dur. Tu mets tes épaules sur mes mains. Allez! Il faut que tu poses tes épaules d'abord. Pose tes épaules. Voilà. Ça le fait, tu penses? Mais si, si, tu peux là. Tu peux monter. T'es cambré. Oh! Désolé. Putain, une fois j'ai la tête dans le cul, une fois la tête dans le ventre. Ok. Ok, essaye de baisser la tête peut-être. Ok, t'es prêt? Ouais. Vas-y, j'essaie de le faire. Vas-y, mets-toi. Vous voyez une pyramide avec une base pas stable? La pyramide inversée? Bah, c'est exactement ce que je suis en train de ressentir là. T'as peur? Ok, fais gaffe. C'est mort! Déjà, je monte même pas en équipe parce que je sens que la pyramide elle fait vut, vut. C'est. Vas-y, on lâche rien, on ne lâche rien, on lâche R. Descends. Ah oui. T'as réussi ou quoi? T'as réussi? Oh non. Parce que moi, en fait, je vous explique ma vision. J'ai réussi à monter une jambe. Moi, je vois juste sa vieille tête devant moi, ça. Choisis un autre côté, c'est le côté porte-bonheur, c'est bon. Si je fais des bruits bizarres, c'est juste parce que je l'ai côte pété depuis
Depuis 5 jours, j'ai fait une mauvaise chute. Et la moindre contraction abdominale me met dans un mal fou. Ce qui est une excellente idée pour cette vidéo. Mais pourtant, regarde. Tada! Bon, j'espère que vous avez bien profité, que vous êtes vraiment moqué de nous parce que... moi à part avoir la tête dans le cul, c'est ce que je retiens franchement. Parce que là nous, on était dans notre délire, on n'a pas regardé à quoi ça ressemblait à la caméra. On est persuadé que des fois il y a des trucs qui ont trop bien marché. On est persuadé qu'il y a des trucs qui étaient géniaux mais... Et quand on va regarder les rushs, je pense qu'on va vraiment rigoler. On va prendre des cours, on va essayer d'avancer plus vite. Et puis comme ça vous aurez un avant après. Ça c'est l'avant, on verra l'après d'ici quelques mois. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça nous aide, ça nous soutient, c'est un geste gratuit pour vous qui nous aide beaucoup au niveau du référencement YouTube. Et à chaque pouce bleu, Mel, elle mange un cookie. Dans 2 mois, tu deviens énorme, même pas. Non, je vais faire des cookies à la citrouille. Mettez 2000 pouces bleus comme ça, 2000 cookies, vous vous... Transformation avant-après Mélanie inversée, tu vois. Mélanie plus 20 kilos. On se revoit très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.